C'est avec plaisir que je me joins à vous en direct de la magnifique bibliothèque Marc Favreau pour dévoiler le titre gagnant du prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2020 parmi les 5 œuvres d'exception qui viennent d'être présentées. Avec ce prix, la Ville de Montréal souhaite reconnaître l'excellence de la création littéraire pour la jeunesse montréalaise. Cette année, le livre gagnant est tout nu, Le dictionnaire bienveillant de la sexualité de Myriam Dagouzan-Bernier et Cécile Gariepi, publié chez les éditions Cardinal. Je vous félicite, mesdames, pour votre audace et votre capacité à faire tomber des tabous. Cet outil de référence destiné principalement aux adolescents et aux adolescentes est unique à son genre. Il deviendra certainement un incontournable. Je remercie les bibliothécaires du réseau qui formaient le jury et je cède la parole à Marie-Michèle Bernier, membre du jury 2020, qui va vous parler davantage de tout nu. Jamais, au courant de ma carrière de bibliothécaire, j'aurais pensé un jour dire les mots pansexualité et non-binaire lors d'une remise d'un prix littéraire jeunesse. De pouvoir le faire aujourd'hui, en toute liberté, sans censure et sans tabou, me rend vraiment super fière. Oui, choisir tout nu comme lauréat est un choix audacieux, mais cette audace est d'abord inspirée par celle de ses créatrices, Myriam Dagouzan-Bernier et Cécile Gariepi. Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité est une œuvre inclusive, positive, actuelle, importante, douce, colorée et j'en passe. Au nom de toutes mes collègues membres du jury, je ne peux que dire enfin ce livre est arrivé. Toutes nos félicitations, Myriam et Cécile. Je suis vraiment très honorée de recevoir le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Je pense que le prix a une importance très grande parce qu'avec Tout Nu, on avait vraiment une mission de démocratiser. Puis ben, le fait de recevoir ce prix-là, c'est comme une sorte de consécration. Un gros merci d'avoir fait de ce livre le lauréat du prix du livre jeunesse et bibliothèque de Montréal. C'est un grand honneur pour moi déjà d'avoir été en nomination pour ce prix-là, en plus aux côtés de Cécile Gariepi, une artiste dont je suis une grande admiratrice. Merci infiniment pour ce prix-là. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est une tape dans le dos pour dire continue ton bon travail. Je tiens aussi à dire félicitations aux finalistes qui étaient dans la liste aussi. Prenez le temps d'aller voir leurs livres, c'est des ouvrages vraiment absolument magnifiques. Merci encore.